Là. Bon. Eh ben, c'est parti. Salut! C'est Sundard et bienvenue sur la deuxième partie, la troisième, la quatrième partie de Mayhem Mansion et je fais le niveau 2. Bon. Alors, j'avais déjà testé ce niveau hier. J'avais rien compris. Et maintenant que j'ai vu une vidéo, ça devrait aller. Et j'aurais jamais trouvé de toute façon, c'est vraiment le truc. Toi, tu dégages! Sale bouche. Voilà, là c'est fermé. Et je n'ai plus d'armes, je n'ai plus rien. Donc là, il y a une clé qui est protégée par un truc et une porte. Vous me dites si le son n'est pas trop fort, parce que là, je crois que le son est à fond. Alors, les lampes! Là. Et voilà. Ensuite, je vais là-dedans, et c'est là que ça se complique parce que je suis hors de la carte. Là, vous voyez, je suis complètement en dehors du jeu. Et en fait, il y a un passage quelque part ici au-dessus. Enfin, voilà. Tout d'abord, je vais faire le tour du propriétaire. Là, je suis carrément sorti de la carte. Ce niveau est très très moche. Là, il y a un pont avec deux ennemis qui se trouvent là quelque part. Les espèces de tentacules qui se téléportent là. Enfin, soit on s'en fout. Et l'entrée, elle est là quelque part, sur un des murs. Ça ne sûrement être pas ici. Le développeur a pété les plombs sur ce passage. Attends, mais me dis pas que c'est juste ça. Mais non, je viens de là. Bon, et eh bien malgré la vidéo, c'est la merde. Hein. C'est quoi ça? Il n'y a rien du tout. Oui, j'étais là hier, j'avais testé ce niveau hier. Mais comme j'avais pas trouvé l'entrée, du coup j'ai fait le niveau 3. Et voilà. Non, c'est pas par ici. Non, je suis sûr que c'est là. Ensuite. Là en face, il y a que dalle. Il y a une entrée. Je crois que je vais retourner voir la vidéo. Parce que là. Et comme c'est pas indiqué sur la carte en plus. Sors ton skate. C'est un half-pipe géant. Bon, eh ben, on va regarder la vidéo sur le net. Parce que là, je ne vois vraiment pas du tout comment faire. Donc, le stage 2. Et logiquement, je vais pouvoir afficher ça. Voilà. Donc, non, 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 je me spoil. Donc, voilà, en vitesse x2. Voilà, la fameuse clé, on s'en fout. Il découvre aussi le jeu. C'est un let's play découverte. Voilà, maintenant il passe là en dessous. Quelle map de merde, quoi. C'est le pont, ok. Ça, je l'avais vu aussi. Il va tenter de passer, mais il ne va pas y arriver.
Et là, voilà. Voilà. Mais comment il a fait? Bon, allez, retour au jeu. Comment il a réussi à faire ça? Bon, déjà, il faut que je retrouve l'endroit où il y a l'espèce d'escalier là. Salut, monsieur Tripwood. Je crois que c'est par là. Hein. Par ici. Voilà, c'est exactement là. Ensuite, il est passé comme ça. Il est parti tout droit. Ou alors, il est parti par là. Et là, il y a... Que dalle! Mais oui, mais voilà, mais... Donc j'ai passé hier 30 minutes dans ce passage sans avoir trouvé ça, et ça c'est la suite. Et donc je sauvegarde, et c'est parti, on peut enfin démarrer le deuxième stage. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Salut toi. Oh oui, fusil à pompe, le musquette. Oh non, ça commence les chauves-souris. En deux coups de boomerang. Donc c'est le niveau de la ville. Le niveau 3 c'était le donjon, le premier niveau c'était le manoir. Où tu sors toi? Et voilà le bouton. Une partie des égouts est débloquée. Faut retourner dans les égouts. Oh non, mais c'est le niveau de merde. Bon, ok, faut retourner dans les égouts. What? Oh non, oh non, 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 non. Là, là. Ah voilà, l'escalier. Ok. L'escalier, c'est bon, l'escalier. Il y a des lampes qui m'attendent. Allez, dégage. Ici quelque part. Ah ouais. C'est quoi ce casse-tête? Je peux aller dans l'eau, logiquement, oui. Les portes de sécurité sont activées. Je suis sur un truc là. Sur la chauve-souris. Ouvre les portes. Quelle porte? Cette porte-là? Ah non, les portes de sécurité. Bien. Got bomb.
Là, j'aimerais bien récupérer ça. Mais je peux aller là-dedans. Par contre, ça nique un peu les oreilles, non? Qu'est-ce que je peux faire? Là. Bon, j'ai la bombe. Là, il va se passer un truc sale. Oh non! Bilicoptère. C'est moche! J'ai pas du tout posé la bombe. Ces hélices en forme de bras. Voilà. Salut Gaderfi. Les télévisions sont aussi. J'ai raté l'occasion d'avoir mon arbalète. Et sans l'arbalète, c'est la merde, celui-là. Reviens. Comment je fais sans l'arbalète, ça? Merde, je suis obligé de la récupérer. Aïe 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 aïe. Bon bah du coup c'est par là-bas. Ah mais j'avais pas vu ça. Voilà. Non, c'est cool. Peut-être baisser le son du jeu là. C'est pas là-dedans. C'est. Non mais c'est sound. Non? Sound. C'est toujours aussi fort. Aussi fort. Non, je vais baisser dans la capture. Sinon, vous allez devenir fou. Et voilà. Ça va comme ça? C'est la fête foraine. Attention, on n'a pas se faire écraser. Je sais pas ce qu'il a pris le mec qui a fait ce jeu. Allez! Non, non, non. Faut aller là-dessous. Board
Merci Monsieur Guillaume Daniel qui balance une crotte de nez. Merci beaucoup pour le petit chat. Le chat turbette. Là. AGM. AGM. C'est quoi AGM? Oh. Ouh. Attention là. First try. First try. C'est lequel des 5 niveaux? C'est le deuxième. Oh, mais ça va être la galère, là. Ok. J'ai réussi. C'est quoi, ça? Est-ce que c'est pour la porte? Elle est où, la porte? Elle est là. Ah, d'accord. C'est exactement pour ça, mais pourquoi je ferais les 4? Non, mais non, fais pas les 4. Avec un seul, ça passe. Ah, pardon, pardon, pardon. Oh non, pas ceux-là en plus. Ceux qui balancent des enclumes. De toute beauté. Je sens que la carte est encore, oui voilà, complètement pétée. Ouais, il y a un chapeau là. Il y a un passage juste là aussi. Doucement. Ah bah c'est bon, c'est bon. Il suffit de marcher dessus. La clé qui ouvre certaines portes. Celle-ci? Non. Celle-là? Non, non. Qui ouvre une certaine porte. Ah mais oui, j'ai le... C'est bon. Maintenant j'ai ça. Il y a une porte qui s'est ouverte. Est-ce que c'est la grande porte? La grande porte rouge? Non. Là, non plus. Bon, ça va pas être compliqué. Il y a une porte qui s'est ouverte quelque part. Alors, le message, c'est... Crates grow out of the floor. Hey, DJ. Je raconte n'importe quoi. Donc... Où est la porte qui s'est ouverte? Ah non, je vais pas retourner. Je vais pas retourner là. Non, non, non. Crates grow. Crates grow out of the floor. Ce qui veut dire. Non. Là. Que dalle. Là-haut. Normalement, quand c'est en jaune, c'est un passage secret. Mais là, c'est tellement fait bizarrement. Les caisses poussent du sol. Les caisses poussent du sol. Les caisses, les caisses. Les caisses... Ce serait ça? Ah bah oui, mais oui, mais voilà. Non? Ah bah oui. Bon, ok. J'ai trouvé un cool cranium. C'est quoi ce bordel?
Je dois en trouver 4. Pas par là, c'est sûrement pas par là non plus. Là, il y a un téléporteur qui m'emmène là. Merde. Salut Yann Caluyer. Ici. Ah ben non, là, c'est de là que je viens. Et là? Je suis déjà venu là. Je suis déjà venu ici. Ah mais j'ai une clé. J'ai une clé. Est-ce qu'il y avait une serrure? Je ne sais même plus s'il y avait une serrure. J'ai pas souvenir de... Mais ça c'est quoi ça? Ah ouais! Ah mais d'accord, c'est 4 passages. Bien. Bien, bien, bien. Je reconnais cet endroit. Oh non! Oh non, hein. C'est la fin du premier niveau, ça. Avec tous les ennemis de partout, les hélicoptères. Et un magasin. Qu'est-ce qu'on achète? Des flèches. Pas cette flèche. Ça s'est fermé. Salut les gars! Ça c'est bloqué et je vais sûrement devoir venir ici plus tard pour aller dans la porte qui se trouve là. Bon, faut virer cette merde. Quoi? Attends, quoi? Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc là. Salut Coco. KO KO. Attends, il sait pas, je sais pas. J'ai cligné des yeux, il s'est passé un truc. Et ça, c'est la bibliothèque. Bon, eh bien, du coup, je peux passer. A dining room. Quoi? Il faut de l'acide sulfurique pour virer le pilier vert, les piliers verts. Et derrière les piliers verts, il y a une armure. Très joli par ici. Il n'y a rien derrière et là, ok. Oh. Ouais. Oups. Là, il n'y a plus rien du tout. Téléphone. Il y a un téléphone qui sonne. Oh merde! Hello! Non! Désolé, j'étais occupé. Goodbye. Goodbye. I'm looking good. Il y a un téléphone qui sonne quelque part. C'est quoi ça?
Il s'est passé quelque chose dehors. Il est où le téléphone? Il y a sûrement un secret ici, non? Le téléphone n'est pas là. Ah. Là, par contre, il y a quelque chose. Donc, il s'est passé quelque chose dehors. Des trolls. Deux mini trolls. Alors attention à les munitions là. Je commence déjà à avoir les yeux HS. Merci pour le follow, Yann. Ce jeu pique les yeux un peu. Ah oui, là ça va beaucoup mieux. Bon, il le faut. Il faut la clé de l'hôtel. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais oui, c'est le début du jeu. Bon, les livres. Cocher. Nouvelle zone. Faut faire tous les bâtiments de la ville. Oh non, les biscottes. Monsieur Biscotte, il est là. Et là, c'est fermé. Il peut ouvrir les portes. Calme-toi. Hello. Bah alors, tu dis pas bonjour? Je crois que j'ai bien fait de mettre les lunettes là, parce que tout est flashy, rouge flashy. Mais là, je peux pas y aller. Ça, c'est la fin. Ah voilà, le rouge et le bleu pétant, ça nique un peu. Alors, la suite, elle est là-bas. Ah ouais. Bon, ok, on y va doucement. Tout doux, tout doux. Sois sûr de chercher après toutes les portes cachées. Elles sont partout. Mais là... J'utiliserai la carte. Si je vois un truc louche... Si vous voyez un truc louche... N'hésitez pas. Parce que parfois quand je regarde les VOD, je me dis mais merde, je suis passé à côté du truc, je suis complètement débile. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Je peux marcher là-dessus? Oui. Hello. Pas la meilleure arme contre lui. Merde. Tu fais chier. Non, je pourrais pas aller là. À mon avis, je vais pouvoir voler après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un labyrinthe?
C'est un labyrinthe. Putain, mais le brainfuck. Attends, mais what? Je. Merde, je peux plus sortir. Ok. Les ascenseurs sont prêts. Les ascenseurs sont prêts. Ok. Il y a trois ascenseurs. Et là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Protection contre l'électricité, contre le feu. À mon avis, ça doit être ça. Donc, il y a... Voilà, il y a plein d'ascenseurs. Donc, attention. On prend lequel? On prend lequel? On prend lequel? Celui-là. Hop, oh, d'accord. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué que ça. Ah, mais attends. Attends. C'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. C'est louche. C'est louche tout ça. Attends, qu'est-ce que ça peut être? Ça, protection contre... Contre les cailloux? Contre les pierres? Contre le feu? Contre... je sais pas. Bon allez, je tente... je tente lui, là. Voilà. J'ai une armure, il faut les trois autres. Mais oui, c'est super simple. C'est quoi ces conneries, là? Te fais pas avoir. Bon bah voilà. J'ai résolu l'énigme. Ouais, d'accord, oui, ok. Je suis immunisé contre la lumière liquide. Bien. La sortie. La sortie. Faut sortir de là. C'est lui, Nuloki. Encore sur LSD Doom. LSD Doom. Bon, là, c'est fermé. Donc, c'est pas par ici. Là. Yep. Y'a plus rien. Lightning, c'est les éclairs. Les éclairs liquides. Elle est où la sortie? Là, là, aïe, aïe, aïe. Comment je sors de là? Bah, d'accord, ça s'est ouvert maintenant. Les jeux se foutent de ma gueule. Oh, bah, bah, bah. Je peux pas faire autrement là. Oh non mais... Stop les bouquins là. Oui. Alors c'était quoi le dernier truc? Je suis immunisé contre la... Ok, contre les éclairs liquides. Les éclairs liquides... Ah mais c'est ça? C'est peut-être ça? C'est exactement ça.
Salut Geoff. Ok, donc je peux faire ça et je peux faire ça et j'ai la clé et c'est cool. Une clé attend d'être utilisée. Merde, non! Aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je sais très bien où l'utiliser. Merde, des trolls. Bon, je comptais l'utiliser là, mais. Je comptais l'utiliser pour ouvrir cette porte là, mais c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Liquid Lightning est une marque de débouchiotte. Ah putain, j'ai mal au cou. Je sauvegardais. Et mur invisible. Quoi? Il y a un mur invisible ici. Bon. Eh ben, je continue par là. Nouvelle zone. Encore la ville. Et là, il y a une porte avec une serrure. Oh non. Oh non. Ok. Du coup, ça passe. Ouais, des flèches, ce serait cool. Ou alors... Non, des flèches. Encore un téléphone. C'est peut-être un ennemi qu'on n'a pas encore vu. Quoi? Qui c'est qui dit ça? Boy. Salut. T'es qui toi? Oui, oui. Derrière toi. Derrière moi, y a rien. C'est qui ce mec? Non, non, attends, attends, attends. You can't find my M. Alors là, c'est complètement inattendu. Je dois trouver d'autres personnes. Et si je le tue? Il se passe quoi? Oui. Il se passe rien. Okay. L'ascenseur de l'hôtel. C'est excellent. Je suis dans un hôtel. T'es occupé. Le dernier truc que je m'attendais à voir ici. Arrête de bouger. Ça c'est cool, mais ça... Attends, on est dans quoi là? What? Non, non, non. Je veux pas faire partie de l'expérience. Le manoir n'est pas un vrai manoir. Il faut désactiver les illusions
pour y voir plus clair. Oui. Bien. Le manoir n'est pas un manoir. Le scénario se met en place. Et là, il y a une clé. Eh mais attendez, la clé qui se trouve tout au début du jeu, là. Merde! Je m'attendais pas à ça. Je ne suis pas intéressé, merci. Ouais. C'était quoi ça? Le super boomerang! Bon, par contre, je vais continuer par là. Et ramasser la clé. J'ai trouvé une clé. Hello. Coucou. Goodbye. Le super boomerang. Je le veux, je le veux, je le veux. Bon, si je fais ça, j'en ai pour des heures. J'ai toujours pas trouvé l'acide. No pay, no gain. Il y a plein de fric. Non, 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 non. Bouge pas, bouge pas. Ils étaient cachés là-dedans. Le super boomerang. Attends, ça marche pas. Ah d'accord. Ah oui, mais là, plus rien ne m'arrête. C'est illimité en plus. Mais c'est énorme. Bah voilà. J'ai la meilleure arme du jeu. Si c'est illimité, c'est cool. Hein. Bon. Je continue par là. Dégage, j'ai le super boomerang. Attends, c'est le début ça. Ah, j'en ai plus, j'en ai plus. Oh non, c'est pas illimité. Non, ça aurait été trop beau. Bon, d'accord. C'est pas illimité. C'est là que j'avais trouvé. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est le magasin, on s'en fout. Là, c'est là où étaient cachés les ennemis. Et là, c'est. J'ai ouvert un truc. Ok. Salut Midart, merci pour le host. Ah voilà le papy mexicain là. Le magicien mexicain qui demande des euros. Sans transitos. Est-ce que je peux marcher là-dedans? Non mais dégage de la cible. J'ai 7 flèches pour toucher la cible derrière lui.
Il va me prendre la tête, lui. Quoi? Ah non, mais j'ai... Voilà, j'ai atteint la cible. Ok. J'ai atteint la cible. Du coup, je vais me barrer et sauvegarder. Oui, par là. Si seulement j'avais le super boomerang, et voilà. Le feu, ça brûle. Et voilà. Et la suite. C'est quoi ça? Ok. Non, je crois que ça me... Qu'est-ce qu'il dit? No raid, raid of two pesky pillars. Ah oui, c'est le... Oui, je vois ce que c'est l'acide sulfurique. C'est ça. C'est l'acide. Doucement, doucement. Oh merde. Voilà, 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 voilà. Bon, l'acide. Il faut le placer là-bas. Putain, je sais plus. Non. Là. Voilà, là c'est fait. Oi. Là, il y a une clé. Merde. Qui? Quoi? Il s'est passé quoi, là? Ah, c'est toi! Là, il y a une lampe. Ça, c'est pour bondir. Ok. Alors, ça. Je pète. Non. Retourner au disque satellite. Ah oui, ok. Bah, de rien. Maintenant, je fais ça et... Voilà. Un petit tunnel est révélé. Et c'est ce petit tunnel-ci. Donc, sauvegarde. Ça va, j'avance. Dish, pas disque. Ah oui. C'était dish. Oh non, pas ça. Ah non, non, c'est bon. Oh putain! Il a fait sauvegarder avant. Oh là 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 là. Bon, attention. Déjà, je me débarrasse de la lampe qui est là-bas. Merde. Goodbye. Casse-toi. Bon, apparemment, l'hélicoptère ne m'attaque pas. Ça, c'est la merde. Tiens. Mais garde tes merdes pour toi.
Les bouboules dans la boubouche. Ah, attention. Merde, non, oh non, oh non. Elevator. J'aimerais bien l'élan en dessous. Non. non, changer d'avis. Je suis obligé de me les faire avant de descendre parce que sinon ça va être ingérable. Petit petit. Bon allez, je descends. Je descends. Ça marche pas. Ah oui, c'est tout le plateau qui descend. Allez, hop, 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 hop. Un téléporteur maintenant disponible. Donc je suis pas obligé de traîner là en dessous. Même s'il y a un petit truc là-bas. Bon, et ben voilà. Vous avez trouvé une des 10 clés. 10 clés. Ça fait 52 minutes, mais oh là là là. Encore un niveau de dingue. Une clé sur 10. Il n'y a plus rien à faire ici. Enfin, 2 clés sur 10. Ce jeu n'a pas de fin. Oui, alors l'acide. Il y avait un autre... C'est quoi ça? Il y avait un autre passage avec de l'acide. Je crois que c'était... Là? Non. Là non plus. Là. Encore moins. Par là? Ah, par là, il y a des trucs. Bonjour Citrinus, j'arrive très en retard. T'inquiète pas, je suis à un dixième du niveau et ça fait déjà 52 minutes que je suis dessus. C'est comme si j'avais pas encore commencé en fait. Bon, où est la suite? Oui, ouille, mais je peux rien faire. Je vais retourner par là du coup. C'est quoi ce poteau là? Bon, allez, je sauvegarde et je vais aller voir en dessous. Ça se trouve, faut tuer tous les ennemis. Ah ben... Mais, il y avait une clé, oh là là. Voilà. J'ai trouvé une des 10 clés. Ah oui, mais que j'en ai 3. Voilà, j'ai 3 clés sur 10. Ah, dégagez, ça l'a pris. Faut que je sorte de là. Vite, la carte. C'est pas par ici. Allez, on saute, et l'élévateur est là. Et voilà, et... Merde. Bon, allez, je me débarrasse de ces saloperies.
Là. De la monnaie. Merde. Ok. Casse-toi de mon ascenseur, toi. Voilà, 3 clés sur 10. Oui, ok, donc je dois faire ça. Ensuite, je dois faire ça. Ensuite, là. C'est compliqué. Hop. Et maintenant, je peux toujours pas passer ici. Là. Mais merde, ils m'ont suivi jusque-là. C'est bon? Oui, tu veux pas sortir? Ah, mais attends. C'est peut-être pas le même gars? Si, c'est le même gars. C'est le même gars. Mais depuis quand ça existe cet endroit? Mais ça a changé! Là, c'était le début? Ou c'était par là? Bon, soit. La suite, c'est par ici. Et là, il y a un autre pote. Ah mais non, c'est le même que... là. C'est le premier que j'ai trouvé, et il y a un téléporteur qui apparaît derrière lui. Bien. Et ça, c'est le début. Ok. Le magasin... Il n'y a pas de magasin. Qu'est-ce que tu fais là? Ah d'accord, c'est toi qui ouvre le... Faut pas chercher à comprendre. Voilà, 4 clés sur 10. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ça, c'est vraiment les pires trucs du jeu. Un petit coup de main. Ok. Et y'a rien. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai la clé qui est là? Mais pourquoi il faudrait 10 clés pour les foutre où? Oh non, je pars... Non, non, je pars plonger là-dedans. Et pourquoi cette porte? Bon, quoi qu'il en soit, j'avance. Oi. Mais c'est quoi cet endroit? Ah bah oui, ok, oui. Mais c'est passé quoi là? Pourquoi y a un mur? What? Et là au-dessus, il y a rien. Attends, c'est qui c'est qui fait ça? Qui est là? Il y a une grosse bouche quelque part. Elle est où la grosse bouche? Attends, mais quoi? Qui c'est qui balance des pots de fleurs? Là! Là, c'est la... Là, c'est la suite. Ok, bien. Rien ne m'indiquait que c'était la suite... que la suite se déroulait dehors. Ah, mais c'est pas la suite. Mais non! Cette porte-là n'était pas là tout à l'heure.
Il faut 10 clés pour ouvrir cette porte que je n'avais pas vue. Oh non, mais je vais pas retourner là. Bon ben, les égouts. Ça m'étonnerait quand même. Bon, allez, on va y jeter un petit coup d'œil rapide. Dans ces égouts de merde. Voilà, et là il y a des ennemis qu'il n'y avait pas avant, donc il y a sûrement un truc à faire ici. Cet endroit pourri. Ah. Non, non, j'ai rien à foutre ici. Je suis même pas dans la carte. Là, il y a des ennemis. Et là. Là, il y a un pont, mais. Sert à rien le pont. Le pont ne sert à rien du tout. Ah non, j'aime pas du tout ce niveau non plus. Bon, peut-être par ici, mais ça m'étonnerait. Pourquoi je tire? Oh non, mais y'a rien là. Quoique. Là, c'est toujours fermé. Là, y'a toujours rien. Ok. Je me souviens, il y avait un passage où il fallait mettre de l'acide. Il y en avait deux. On serait pas par là, par hasard. Non, non, non. Je sais pas. Sûrement pas par ici. Mais vous imaginez? Je n'ai que 4 clés sur 10. Je suis déjà paumé. Bon, là. Là, je ressors en ville, ok. Je retourne dans l'hôtel. Non mais là y a rien. Là, voilà, c'est ça que je cherchais. Parfait, et j'ai trouvé une 5e clé. Merde de troll. Bon, ok, j'ai trouvé une clé, mais... J'en suis qu'à la moitié, quoi. Là. Ok. Et j'obtiens ceci. Et là je sauvegarde. Et maintenant on peut continuer. Coucou. Hello.
Un bouton dans la salle de bain. Springboard show. Ok, il y a un tremplin quelque part. Il y a un tremplin quelque part. Non. Cet instinct de gros ours. Ce sens de déduction peu commun. Mais maintenant. Il faut trouver un tremplin, quoi. Là-dedans, il n'y a pas de tremplin. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Et là, il y a autre chose. Là, voilà. Le tremplin est là. Allez, vas-y. J'arrive pas à sauter ce... là-haut. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? Les pires trucs. Quoi? Je me casse d'ici en vitesse. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais le niveau a pété les plombs là. Ah non, mais je me fais écraser par le sol plafond. Putain, c'est pas grave. Salut le Delta Plane de Sonic. Attention. Fermé. Bon, attention parce que... Oui, voilà. Il y a deux étages. Donc là, il y a un truc caché. Et là, c'est toujours fermé. Ah, mais carrément, quoi. Il y a des passages sous l'eau. Je suis plus sous l'eau, là. C'est vraiment l'enfer ce mode. Y a quelqu'un? C'est un ennemi ça? C'était pas un ennemi. Ok, la route est revenue à la normale. To back, to quoi? Zoro dis back to normal, oui. Ah d'accord, c'était une porte. Bon ben, ok. Level designer du futur. Donc là, il y a la porte qui ne bouge pas. Et là, voilà. Il faut retourner sur la route. Donc là, il y a un chemin. Et là, il y a un chemin. Bien, bon, bah, je retourne sur la route. J'en ai vachement besoin. Voilà. Ça, c'est la suite. Oh non. Il y a plein d'ennemis qui vont arriver.
les biscottes moustachues. Par contre, attention. Il y a des passages souterrains au plafond. Première fois que je vois ça. Et voilà. C'est bon, les grippins. Oh merde! Putain, ils sont pas morts! Coucher! C'est fermé! Oh non! Ça, c'est la fin du premier niveau. Rappelez-vous, ceux qui étaient là. Aïe 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 aïe! Nouvel ennemi? Où ça, un nouvel ennemi? Alpha, bêta, gamma. Je ne peux plus y aller. C'est bon? On a plus? Merde. Maintenant, je peux récupérer. Il y en a encore un de vivant. Je peux récupérer la potion là. Par là. Bien. Les talmatos. Tu vois, il y a certes là. Je sais pas, on dirait qu'il veut du poulet. D'accord, ils sont trois. Ils sont trois, donc bim. Merde, les tables! J'ai pas sauvegardé depuis quand? Depuis longtemps. Oh merde! Oh non! Oh non! Oh non non! Oh non! Oh, merde! Bon voilà, là on a perdu 20 minutes. Oh le con! Oh le con! Oh le con! Oh le con! Bon maintenant je sais ce qu'il faut faire, donc ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite, pas de panique, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Là, le tremplin, ensuite on va là, tac, ensuite acide, hop. Oh non. Non, pas ça, bordel. Allez vite, remonte. Moi je vais là-dedans directement. Et c'est là qu'il va me suivre dans l'eau.
S'il me suit dans l'eau, c'est la merde. Il est où? Voilà, ok, maintenant. Ah là là là, on ressort de là, on ressort de là, on ressort de là. Par là-bas, par là-bas, il faut attendre. Vite, vite le sol, vite le sol. Le sol ne s'enfonce pas, il faut d'abord le tuer, c'est ça? Fais chier. Faut le tuer. Bien. J'aurais pu descendre comme ça. Ok. L'ascenseur est en panne. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop vite et du coup le jeu a rien compris? Mais non! À mon avis, le jeu n'aime pas le speedrun. Eh ben... je l'emmerde le jeu! Non, je suis désolé! Voilà, première fois que je fais le noclip. Non mais oh. Bon du coup, on se place où? On se place là. Voilà, comme ça on triche pas trop. Le noclip pour passer à travers les murs. Et maintenant, je peux retourner sur la route. Et si la route est ouverte, je sauvegarde. Et si elle n'est pas ouverte, ben je sais pas. C'est carrément ouvert. J'ai fait bugger le jeu. Les ennemis qui ont disparu. Ah, parce que j'ai tué le toaster, c'est peut-être pour ça. Non. Je sais pas pourquoi les ennemis ont disparu. Où tu vas, toi? Yep. Derrière. Ah oui, il y a les lampes. Là-bas, il y a... Ah oui, il y a les petits vieux. Bon, tout d'abord, je vais récupérer la potion qui se trouve là. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Qui? Toi. Je vais utiliser une potion. Oh, wow, 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 wow. Il est bien caché. Ça se trouve, il y a une clé ici aussi. Non. Mmh.
crève jamais cela. Je veux sortir du bar. Oh, je veux sortir du bar. Je sors du bar. Ils sont invincibles. J'en ai tué aucun. Que? Une heure vingt. Alors encore 10 minutes et je m'arrête. Les Dumbledore qui sortent de partout. Putain, mais je vais te... T'es moche. Bon bah je sais pas, ils ont l'air invincibles. Alors là, qu'est-ce que je fais là? L'espagnol de Dumbledore. Je suis même pas sûr que ça soit de l'espagnol. Bon. Là-dedans, il n'y a rien. Ok. Je pensais trouver une arme contre eux, mais non. À mon avis, je dois juste les éviter. T'évites rien du tout. Pot de fleurs, j'ai pas le pot de fleurs. Je n'ai pas la magie. Pour ça, il faut trouver le parchemin. Puis même, qu'est-ce que je fais après? C'est juste pour une potion. Puis y a pas la place, on peut pas se battre ici. Ah voilà, il en reste plus qu'un. Montre-leur une photo de karaté. Ah, j'ai mal au cou. Faut faire une pause là. J'en peux plus. Sauvegarder. Toi le transitos. Chiant. Merci beaucoup. Bon, je récupère masse d'armure, masse de potions, donc tout va bien. Et il n'y a plus rien. Il y a une cible. Pour trouver une seule clé. C'est ça? C'est quoi ce machin vert? Eh bien, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on verra ça dans la prochaine VOD. Voilà. Ciao! Et pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a derrière ce truc, eh bien, restez là.